J'ai appris pour la joaillerie de la place Vendôme. Je vous jure que je ne vous dénoncerai pas. Je voulais vous apporter toute la somme, tout le reste de la somme. Tenez, tout est là, vous pouvez vérifier.
Ça va? Ça va, oui. Et vous? Ça va, ça va. Et vous, ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Me laisser rentrer. Pourquoi? Parce que je viens vous apporter ce que depuis des mois vous n'arrivez pas à trouver. Un job en or. Oh, et puis assez de politesse à la fin. Ça fait un peu nouveau pauvre ici. Mais qu'est-ce que vous voulez? Asseyez-vous. Je sais qui vous êtes, Dorfan, un de ces petits journalistes comme il y en a des centaines à Paris. Vous vous rêviez peut-être grand reporter, mais vous êtes tout juste bon à écrire 2-3 lignes sur un torchon à 4 sous. Non, vous avez beau avoir un diplôme de Sciences Po, ça fait pas le talent. Vous savez qui je suis, moi? Vous êtes Margot Gallardère, propriétaire du magazine L'Éclair. Un canard qui tire à peine à 10 000 exemplaires par semaine et qui vous fait boire le bouillon. Je ne suis peut-être pas un grand reporter, mais moi je sais mener l'enquête. Et si je suis aussi mauvais que vous le dites? Pourquoi vous êtes là? Je vous l'ai dit, je sais qui vous êtes. Et c'est pas pour votre pseudo-vocation que je suis ici, c'est pour vos gènes. Parce que vous avez beau vouloir changer de nom avec un jeu de mots grotesque, vous n'en êtes pas moins le fils du journaliste Fandor, qui s'est rendu célèbre en pourchassant Fantomas dans les années 60. Ha! Depuis quelques mois, la région parisienne a connu 3 affaires sans explication. Un hold-up à Neuilly, le professeur Le Savant, un spécialiste des neurosciences, a été enlevé dans son laboratoire des Yvelines, et un vol de bijoux place Vendôme. Les fins limiers de la police pédalent dans la choucroute, chacun de leur côté, mais vous et moi, nous savons que tous ces forfaits sont de la patte d'un bien célèbre malfaiteur. Fantomas. Fantomas? Mais c'est ridicule. Fantomas est mort en 1967, en Écosse. Ben ça m'étonnerait. Fantomas est vivant, et il est de retour. Mais bien sûr. Et même en admettant que ce soit vrai, il aurait plus de 70 ans maintenant. Fantomas Grabataire. Pas commode le fauteuil roulant et les couches confiance pour semer la terreur. Il aurait l'âge de votre père. C'est absurde. Fantomas a bien été capable de prendre des dizaines d'apparences, de s'enfuir en voiture volante et de construire sa fusée. Est-ce que c'est vraiment si absurde d'imaginer qu'il revienne 40 ans après, sans que personne s'en rende compte? Non seulement votre hypothèse est grotesque, mais en plus elle risque de me faire perdre mon temps. Et pour décrocher votre seule chance d'être un jour reconnu dans le métier, vous n'êtes pas prêt à courir le risque? Pourquoi vous ne la menez pas vous-même, cette enquête? Ben, vous l'avez dit. Mon journal est au bord de la faillite et je cours de banquier en banquier pour réclamer un peu de sursis et préserver mes salariés du chômage. Mais pour combien de temps? Jusqu'à ce que vous me livriez le papier que je vous apporte, comme sur un plateau. Vous menez l'enquête, vous retrouvez la trace de Fantomas, vous prouvez qu'il est vivant, et je publie. Ça sauve mon journal de la faillite et vous, ça vous donne la chance d'être connu. C'est un peu approximatif votre truc. En vous crevant la paillasse, vous gagnez quoi? À peine le SMIC? Non, et encore un petit effort, vous arrivez au plafond. Moi, je double votre salaire. Vous êtes bien généreuse pour une bonne femme en faillite. Ouais, je suis plus à ça près. Bon, ok, puisque vous avez l'air d'y tenir. Faut que je fasse quoi exactement? Bon, d'abord, vous allez rencontrer la détective qui a commencé à creuser l'affaire. Elle est jeune, jolie, mais un peu étourdie et n'a pas trouvé grand-chose. Et je sais qu'à vous deux, vous aurez de meilleurs résultats. Tenez. Vous trouverez toutes les informations dans cette enveloppe, et avec un mois d'avance aussi. Alors, pour ce soir, oubliez les pâtes et achetez-vous un bout de viande. Je mise beaucoup sur vous. Je sais que je me suis pas trompée. La Vénarde. Mais non, enfin, c'est mon mot de passe. La boulangère Pétrice et Miche. C'est avec moi que nous avions rendez-vous, monsieur Dorfan. La boulangère Pétrice et Miche et le boucher
fourre la dinde. Fume sa dinde. Oh, c'est pas vrai. Mais le boucher fume la dinde, ouais. Oui, bon bah c'est trop tard maintenant. Galardin m'avait dit que vous étiez un débutant, mais alors là, c'est carrément la maternité, hein. Il va falloir que je vous apprenne 2-3 compliments du métier, mon vieux. Moi, comme ça, les présentations sont faites. En fait, est-ce que vous avez des éléments sur Fantomas? Chut! Oh, mais je rêve, vous êtes pas discret! J'ai à peine chuchoté. On utilise des langues godes dans des opérations pareilles. C'est la B à base. Au lieu de dire Fantomas, on n'a qu'à dire Flamiche ou quoi? C'est léger, ça, c'est sûr. Ah non, ça dépend ce que vous mettez. Du fromage, de la crème. Personnellement. Je veux dire, le nom, code, il est un peu long. Oui, mais personne ne le comprend, moi. Et même moi, j'ai du mal. Bon, en ce qui concerne Flamiche au poireau, qu'est-ce que vous avez appris? Allons dans un endroit plus calme. Ici, il y a trop de monde. Au fait, votre nom, c'est quoi? Jules. Jennifer Jules. Venez. Juve, ne me dites pas que vous êtes de la famille de... Si, du célèbre commissaire Juve. Ma cousine était la grande... Non. Sa marraine était la nièce de... Non. Ma grand-mère était la femme de son frère. Oui, voilà. J'ai toujours eu du mal avec mon arbre gynécologique. En tout cas, quelle coïncidence. Je suppose que vous savez que je suis le fils du reporter Pandore. Le commissaire Juve et lui travaillaient déjà main dans la main. Ah ben non, je savais pas. Oh, c'est dingue! Galardin m'avait dit que votre père avait aidé mon grand-oncle à poursacher Fantomas. Mais pour le reste, j'en savais rien! Oh là là, le bazar fait bien les choses! C'est moi, Jennifer. Gigi, je vous en parjure, appelez-moi Gigi. Jennifer, ouh, ça me donne des mausolées au cœur. C'est beaucoup trop années 90, alors que Gigi, c'est tellement tendance. Très bien entendu, Gigi. Dites-moi, où allons-nous exactement? Mais sur les lieux du criminel, Place Vendôme. La police n'a pas retrouvé les cambriolages du vol. Et Galardère pense que Flamiche au poireau a fait le coup. Donc, quoi de mieux pour le retrouver que de se mettre dans sa peau? De se glisser dans son moule. Écoutez, je suis pas vraiment genre de fille, alors vos allusions en dessous de la teinture, vous pouvez les garder pour vous. Très bien, je serai pour toi jusqu'à ce que nous ayons débusqué cette Flamiche. Sur nous, aller la chercher jusqu'au fond du four dans lequel il se terre. Oh, bah dis donc, vous êtes un sacré numéro, vous. Bon, je vous laisse. Attendez, on y va pas ensemble? Où? Place Vendôme. Oh, mais vous allez pas vous perdre. La place Vendôme, ça a une enluminure d'ici. Il faut d'abord que je passe à la poste. J'ai un commandé à aller chercher. J'ai passé mes diplômes de détective par correspondance et j'attends les résultats. Bon, bah, bonne chance alors. Je touche du bois. Attendez, dans quelle joaillerie ça s'est passé déjà? La plus prestigieuse, Van Cleef & Archipels. C'est bien, vous êtes observateur. Bonne journée. Alors, attendez, enquête sur un vol qui a été commis ici. Ah bon? Vous êtes flic? Non, je m'appelle Dorfan, je suis journaliste. C'est pas mieux. Peut-être que vous pourriez m'aider. Je sais pas, vous êtes là en train de regarder cette joaillerie. J'imagine que c'est pas pour les bijoux. Pour un hold-up, il n'y en a plus. Alors peut-être que... Mais si je vous disais pourquoi je suis là, vous ne me croiriez pas. Dans ce cas-là, nous sommes deux. Je suis à la recherche de Fantomas. Je m'appelle Guylaine Chauchard, je tiens un magasin de décoration dans un centre commercial de Boulogne-Billancourt. Il y a quelques jours, Fantomas a tué mon frère Étienne sous mes yeux. Vous l'avez vu? Il m'a vu.
et celle que j'avais vue aussi. Depuis, je suppose qu'il essaye de me tuer. Pourquoi n'avez-vous pas essayé d'aller voir la police? Je suis allée voir la police. Ils ne m'ont pas cru. Le corps de votre frère, c'est pourtant bien une preuve. Mais le corps de mon frère a disparu. Quand j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis retournée là-bas, il n'y avait plus de cadavre, plus de corps, plus rien, plus une trace de sang. J'ai bien interrogé les gardiens, mais ils m'ont prise pour une folle. Attendez, si Fantomas veut vous tuer, pourquoi essayez-vous de le retrouver? J'ai besoin de retrouver le cadavre de mon frère. J'ai besoin de savoir pourquoi sa vie s'est terminée dans un bain de sang. Où est-ce que ça s'est passé? Quel jour? Et quelle heure? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas flic? Pardon. Mais parlez-moi plutôt de vous, monsieur Dorfin. Pourquoi vous êtes-vous retrouvé sur la place Vendôme? Ne me dites pas qu'il a tué votre sœur, sinon je ne vous croirai pas. La vérité n'est pas forcément plus vraisemblable. Un petit patron de presse est invité chez moi et m'a convaincu de rencontrer une détective privée qui a eu son diplôme par correspondance et de mener l'enquête sur ce qu'il croit bien être le scoop du ciel. Le retour de Fantomas? Je dois bien avouer qu'il y a encore quelques heures, je n'y croyais pas vraiment. Mais maintenant que je vous ai rencontré, tout a changé. J'imagine qu'il est inutile que je vous demande si vous voulez bien apparaître dans mon article. Vous imaginez bien. Mais si les gens croient à notre histoire par la seule base de bons témoignages, c'est qu'ils sont stupides. Si j'étais vous, je creuserais un peu plus. Creusons ensemble. Je ne suis pas sûre que vous et moi voulions creuser dans la même direction. Vous et moi voulons arriver au même endroit, au repère de Fantomas. Vous voulez l'attaquer de manière frontale. Je veux l'avoir par surprise. J'admire votre courage, Guylaine. Je l'admire. Mais faites bien attention. Fantomas est un gibier coriace. Et moi, je suis une curacure. Excusez-moi. Ah, bonjour, Galardère. Ça va, et vous? Non, la rédaction a été visitée hier soir. Il manque toutes les parties concernant notre dossier. C'est ennuyeux, en effet. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous êtes idiot ou quoi? Votre nom figure sur toutes les parties de ce dossier. Il sait que nous sommes après lui et vous êtes en danger. La meilleure défense, c'est l'attaque. Préparez la maquette. Je crois que mon article sortira plus tôt que prévu. Excusez-moi, Guylaine. Je dois y aller. Attendez. Voici mon numéro. N'hésitez pas. Bien moi, Fantomas. Ne sois pas surpris. Tu m'as cherché, je t'ai trouvé. Si tu es après moi, c'est bien que tu crois à mon existence. J'ai un petit doute quand même, mais comment savez-vous que je vous cherchais? Je ne suis pas ici pour répondre à tes questions. Si j'ai fait en sorte d'échapper à la police, ce n'est pas pour avoir un petit journaliste comme toi collé à mes basques. J'aime la tranquillité, je déteste être poursuivi. Écoutez, je fais mon métier. Mon métier, c'est d'enquêter. Ton métier, c'est d'écrire. Le mien, c'est de tuer. J'essaie de faire du mieux que je peux. Alors fiche-moi la paix. Si tu veux tout savoir, j'ai mis au point une arme hors du commun. Un émetteur d'ondes Theta, qui permet d'asservir toute la population dans un rayon d'un kilomètre. Elle va me permettre à l'avenir de faire ce que j'ai à faire, sans être importuné. Je pourrais même l'utiliser contre toi si ça m'amusait. Pourquoi vous ne le faites pas? Ça ne m'amuse pas. Et puis, il manque quelques réglages à l'émetteur. Il faut que je le teste à grande échelle, sur un vaste échantillon représentatif de la population. Prévenez-moi que je sois pas dans l'eau. Si tu me laisses tranquille, il ne t'arrivera rien. Mais si tu continues à me courir après, des personnes de ton entourage pourraient le payer cher. Vous pouvez y aller, il n'y a plus grand monde dans mon entourage. Ne t'en fais pas pour ça, je trouve toujours le point faible des gens. Au fait, en parlant d'entourage, comment va votre père? Et ta sœur? Elle bat le beurre. Écoutez, vous ne ferez croire à personne que vous êtes LE Fantomas qui a semé la terreur il y a 40 ans. Alors, par politesse, je vous demande comment va votre père, le vrai Fantomas. Je t'ai dit que je n'étais pas là pour répondre à tes questions. Tu me défies, mais fais attention. Fantomas est un gibier coriace. Allons, tu ne sais plus quoi dire. Quelque chose comme « Et moi je suis un dur à cuire » serait approprié, tu ne crois pas? Je te l'ai dit, je trouve toujours le point faible des gens. Tu devrais écouter un peu plus. Sur ce, je te laisse. Et n'oublie pas, ton destin est entre tes mains.
fumer, Fantomas, je vais te fumer. Comme une dinde. Alors, webcam. Webcam. Photo. Ha! Je t'ai eu. Nom d'une pipe de nom d'une pipe. Oh, je n'en reviens pas. Cette histoire me trouve le cul et je baise mes Wonderfans. Il était là. Comme je te le dis. Et qu'est-ce que tu comptes faire de cet article? Tu vas quand même pas le publier. Normalement, c'est ce qu'on fait avec un article. Mais le publier dans un journal? Pourquoi pas? Fantomas ne va pas aimer ça du tout. C'est moi qui te le dis. Mais alors pas du tout. Il va vouloir se venger. Il va redébarquer ici en C4. Et... oh mon dieu, c'est lui. C'est certainement pas lui. Tu peux aller ouvrir. Ah oui, c'est vrai que l'article n'a pas été publié. Qu'est-ce que je peux être engourdie des fois? Bonjour, je suis bien chez Darfan. Darfan, c'est qui cette pimbèche? Gigi, je te présente Guylaine. Guylaine Chauchard. Elle tient un magasin de déco à Boulogne-Billancourt. Guylaine, je te présente Jennifer Juve. C'est la détective privée qui m'aide sur l'affaire. Enchantée. Enchantée, Mylène. Du même. Oui, enchantée, Ghislaine. Bon alors, Darfan, qu'est-ce qu'on fait de cet article? On le publie ou pas? Bonne question, hein. C'est l'article dont tu m'as parlé au téléphone? Exactement, hein. La question ne se pose pas, il faut le publier. Non mais elle vient de donner son avis à la femme de ménage? Je rêve ou quoi? Tu calmes, Gigi. Si Guylaine est là, c'est aussi parce que je lui ai demandé. Oui, bah t'aurais pas dû. On peut très bien prendre cette dérision tout seul. C'est-à-dire, ne pas publier l'article. Je ne suis pas de cet avis. Écoutez, Solène. Guylaine. Oui, écoutez, Gilliane, je connais Darfan depuis au moins une heure de plus que vous. Et je sais ce qui est mieux pour que sa carrière de journaliste se déroule sans concombre. C'est-à-dire, garder ce papier au chaud. On n'a pas besoin de l'expertise d'une marchande de tapis. Mais qu'est-ce que vous craignez, mademoiselle Juve? Que le public apprenne la vérité? Que Fantomas soit arrêté? Ou bien avez-vous peur que votre carrière de détective s'arrête aussi sec qu'elle a commencé? C'est quand même pas ça, Gigi. Ta carrière de détective, elle est lancée maintenant que t'as ton diplôme. Je n'ai pas eu mon diplôme. Il ne le donne quand même pas n'importe qui. Ok, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui prend trop de place ici. Et visiblement, la décoratrice a l'intention de faire la potiche. Donc c'est moi qui m'en vais. La prochaine fois que tu as besoin de mon aide, Darfan, surtout ne m'appelle pas. Je vais téléphoner à Galinder pour lui dire que l'affaire est classée. Bonne contribution à vous deux. Oh, Jennifer, je vous en prie. Admettez que Darfan puisse être de mon avis. Peu m'importe qu'il soit votre avis, Irène. Mais si vous publiez cet article, vous ouvrez la boîte de Pandore. De Pandore. C'est toi qui l'as dit. Bonjour Galardère, ça va, oui. 500 000 exemplaires? Eh, vous voyez que le petit journaliste sans envergure s'en est pas mal tiré, hein? Désolé, là, mais je suis sur une affaire assez chaude, là. Voilà, on fait comme ça. À plus, ciao. Et voilà. Un magazine de sauvé, hein? J'aime faire le bonheur autour de moi. Tu as un as de la plume, mon chéri.
J'ai passé une excellente soirée, une excellente journée, une excellente semaine. Décidément, le temps passe trop vite. Les deux journées de demain seront encore meilleures, je te le garantis. Et la semaine prochaine aussi. Alors, il faut que je rentre chez moi pour me reposer. C'est-à-dire que tu m'invites pas chez toi ce soir, hein? Non, ne sois pas si impatient. On n'a qu'à prendre le petit déjeuner ensemble demain matin. Où ça? Je t'appelle vers 10h. Tu veux vraiment pas que je te raccompagne? Je finis par penser que tu ne veux vraiment pas que je sache où tu habites. Mais l'appartement d'une femme est quelque chose de très intime. Pour y pénétrer, il faut le mériter. Et puis, j'habite à deux pas. Je ne risque rien. Allez, bonne nuit. C'est toi. Écoute, là je suis super pressée, je suis super à la bourre. Je suis sortie acheter une flûte, mais j'étais prise à partie par un groupe de japonais qui venaient me prendre en photo. Ah non, mais ces asthmatiques des fois, qu'est-ce qu'ils sont clichés? Quoi? Guylaine a été enlevée. Elle a disparu. Elle ne répond pas à son téléphone et je n'arrive pas à la trouver. Très étrange comme affaire en effet. Voici mon bureau. Bon, ne fais pas attention aux désordres. Installe-toi sur le divan. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je t'écoute. Il y a des fois, la nuit, je fais ce rêve. Il y a des arbres autour de moi qui grossissent, ils grossissent. Ils forment un mur. Il se met à pleuvoir. Il y a des enfants. Ils crient, ils ont peur. Et je ne peux rien faire pour eux. Alors, tu es entouré par de la pluie. Des arbres. Oui, mais il pleut sur ces arbres. Oui. Et tu es impuissant. Ouais, totalement impuissant. Très intéressant comme symbolique. Mais c'est pas pour ça que je suis venue, Gigi. Mais je me disais aussi que j'étais assez mal à l'aise. Guylaine a disparu. Il faut absolument que tu m'aides à la retrouver. Je te rappelle que tu m'avais virée comme une charia. Et je t'avais prévenue. C'est comme dans le conte, là. Avec les enfants. Hansel et Bretzel. Hansel et Gretel. Hansel et Bretzel. Le conte, là, avec les maisons pâte à pain. C'est pareil. Tu as foncé tête baissée dans un guet-apens tendu par Fantomas, attiré par un scoop, comme Hansel par Gretzel. Tu crois que c'est Fantomas qui a enlevé Guylaine? Mais qui d'autre qu'un malade pourrait kidnapper cette garce? Oh, c'est ma faute, il m'avait prévenu et je n'ai pas tenu compte de son avertissement. Tu as fait ce que tu as cru bien faire. Après tout, tu étais un petit journaliste complètement naze. C'est normal que tu aies eu envie d'un peu de gloire. Mais maintenant j'ai perdu la seule femme qui s'intéresse à moi depuis longtemps. Ouais, merci pour les autres. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne le pardonnerai jamais. Bon, tu vas arrêter de venir sur ton sort maintenant. Parce que ta copine la marchande de tapis, elle est peut-être pas si innocente que tu ne le crois. Eh oui, on ne donne peut-être pas le diplôme de détective privé à n'importe qui, mais les cours sont encore ouverts à tous. Et pendant que tu te la coulée rousse avec ta blonde, moi, je ne suis pas restée les jambes croisées. Alors première chose, j'ai fait tous les magasins de déco de Boulogne-Billancourt. Il n'y en a pas un qui connaît une Chichelaine Chauchard. Guylaine Chauchard. Oui, bon, il n'y en a pas un qui connaît Chauchard. Bizarre. Deuxième première chose, elle n'a jamais foutu les pieds à la police pour signaler la mort de son frère. J'ai vérifié. Les policiers ne l'ont pas prise au sérieux. Comme par hasard. Troisième première chose, grâce à une relation que j'aime effectuer à la caisse d'allocution familiale, j'ai appris le véritable métier de la petite dame. Et ça va te faire rire. Ah oui, elle est clown? Pas du tout. Elle est employée de banque. Elle travaille dans l'agence du crédit apicole de son frère. Tu veux dire le frère qui a été tué par Fantomas? Tu vas trouver dans ta résonance. Elle avait un frère. Il est mort. Elle t'a dit que Fantomas l'avait tué. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'entre deux, il y avait de l'huile dans le gaz. Un employé de banque m'a confié lorsqu'on était à l'horizontale que le frère faisait des placements pas très cathodiques qui n'étaient pas du goût de sa sœur. Dans la famille voleur, j'ai tout le monde. Mortel. Et où est-ce que tu veux en venir? Mais enfin, Dorfan,
Arrête de te voiler la farce. C'est elle qui l'a tué, c'est clair comme l'eau de boudin. Excuse-moi Gigi, mais tes preuves sont un peu minces pour accuser Guylaine. Je ne voulais pas te donner tous les détails de ma rencontre avec cet employé de banque. Mais disons que le moment où ces bourses ont généré quelques liquidités, il s'est laissé aller à quelques autres conférences. Le soir où Étienne Chauchard s'est fait descendre, ta Guylaine avait rendez-vous avec lui. Alors voilà comment je vois les choses. Ta copine a tué son frère. Fantomas était peut-être dans le coin, peu importe. Mais aujourd'hui, ça l'arrange bien de lui faire porter le château. Il faut se méfier des apparences, Dorfan. Et t'as appris tout ça sur l'oreiller? Oui, c'est très enrichissant, les soirées avec les employés de banque. C'est ça qu'on vous apprend dans vos cours de détective? On nous apprend à chercher les traces, quelles qu'elles soient. Alors tu vois la réflexion, je pense qu'il n'était pas très intelligent de sortir avec une meurtrière. Décoratrice. Ouais, tu parles. Elle va plutôt décorer ton cercueil. Que ce soit le cas ou pas, Gigi, il faut que tu m'aides à la retrouver. Comment se retrouve, Madame Chauchard? Vous avez manœuvré habilement, et je vous ai retrouvé. Où sommes-nous? Nous sommes chez moi, et j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que votre ami Dorfan est à votre recherche. La mauvaise, c'est qu'il ne vous retrouvera pas. Et pourquoi m'avez-vous kidnappé? Pour montrer à votre Dorfan qu'on ne plaisante pas avec Fantomas. Je l'avais prévenu qu'en divulguant mes secrets, il s'exposait à des représailles. Il a voulu jouer, il a perdu. Il vous a perdu. Et vous m'avez gagné? Je n'ai rien à voir maintenant. C'est ce que vous voulez faire croire. À vos amis, vous avez dit que vous vouliez ma peau pour venger la mort de votre frère. C'est rusé. Nous savons tous les deux ce qui s'est passé ce soir-là. Je trouve très insultant de votre part de vous servir de moi pour régler vos comptes. Vous comprenez dès lors pourquoi je me sers de vous pour régler les miens? Et quand ces comptes seront-ils réglés? Vous voulez vous venger de moi en commettant les pires atrocités avec mon visage? Je pourrais, oui. Mais le monde a changé, Mademoiselle Chauchard. Il y a maintenant des lieux fantastiques où un homme comme moi peut passer totalement inaperçu et y faire ce que bon lui semble. Ah oui, par exemple? Vous le saurez. Et oui, dernière bonne nouvelle. Maintenant que je vous ai, je ne vais plus vous lâcher. Mais si vous tentez de me fausser compagnie, vous pourriez ne plus revoir votre ami Dorfan avant longtemps. Unique, je vous le rappelle. Vous réglez le périmètre d'action des ondes θ à l'aide de la molette latérale. Vous pouvez ensuite le mettre en marche à l'aide du bouton central. Un dispositif d'arrêt d'urgence est disponible avec le bouton rouge. Très bien. Avez-vous également pensé au protecteur? Le voici. Le protecteur permet d'éviter le rayonnement des ondes θ émises par l'émetteur. En cas de doute, vous pouvez allumer le faisceau. Lumière bleue, pas d'onde. Lumière rouge, onde θ dans votre périmètre. Lumière bleue. Heureusement. Je vous remercie, André. Et je testerai cet appareil dès demain. Où ça? Et vous le savez, André. Et vous n'avez tout de même pas testé l'appareil là-bas. C'est de la folie pure. Ce qui sépare la folie du génie, mon cher André, se mesure à l'aune du succès. Et j'ai besoin de connaître l'efficacité de cet appareil rapidement. Et si les essais ne sont pas concluants? Si les essais ne sont pas concluants, ce monsieur le savant verra sa vie écourtée. Vous serez pris au piège dans cet endroit, et les issues ne sont pas nombreuses. Voilà pourquoi je vais emmener Madame Chauchard avec moi. En cas de problème, elle sera mon laissez-passer. Vous ne comptez pas la tuer? Mais elle nous a vus, elle nous a entendus, elle sait qui nous sommes. Je ne la tuerai pas tant qu'elle me sera utile. D'ailleurs, vous allez vous rendre chez elle pour lui prendre des habits propres. Très bien, monsieur. Et profitez-en pour vérifier qu'elle n'a pas caché des preuves de mon existence.
pas vous. Et venez par ici. Je m'appelle Jennifer Juve. Je suis détective privée. On sonne et puis j'arrive. Voilà mon métier. Bon, où est Fantomas? Plutôt mourir. Ça viendra après. Dites-moi d'abord où est Fantomas. Jamais. Dites-lui, André, je vous en prie. J'ai dit jamais. Vous êtes dur de la feuille ou vous faites exprès? Il est parti avec la fille. Où ça? À l'hôtel. À l'hôtel? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait être sur place pour l'ouverture du parc, demain. Quel parc? Disneyland. Mais taisez-vous donc, pauvre imbécile. Je voulais y aller moi aussi, mais c'est avec cet idiote qu'il est parti. C'est incroyable ça. Ah bah ça, ça m'étonne pas. Je sais pas ce qu'il lui trouve à cette nana, mais c'est la folie, hein. Pourtant, elle casse pas trois pattes à un lézard. Ah ça. Et maintenant que vous avez fait avouer toute l'histoire, vous allez le tuer? Au pipi de chat? Oh non, c'est plus trop assez. Je pense que je vais plutôt faire une fleur à ces gros lodos de flics. Vous allez passer 48 heures en garde à vous, ce qui me laissera le temps de retrouver Fantomas et cette fille et de leur demander des explications. Ça oui. Alors j'ai rabattu la blanquette et je suis rentrée dans l'habitacle. Oh, quel cirque! Mais bon, ça valait le coup. T'aurais vu la tête des flics quand j'aurais ramené mes deux larrons? Oh là là, ils étaient verts comme du jambon Leader Price. Je me suis marrée comme une madeleine. Et toi, t'as trouvé des choses intéressantes sur Fantomas? Bah, je me pose vraiment la question de savoir qui est ce Fantomas. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave là-dessous, j'en suis sûre. Il faut réfléchir pour trouver la clé. Très intéressant. Oh, attends deux secondes. Bonsoir, c'est le calendrier des pompiers. Oh, mais c'est que vous me donnerez presque envie de faire un arrêt cardiaque. Gigi, ça refroidit. Tenez, voilà un euro. Gardez tout, ça fait plaisir. Qui c'était? Ah, les pompiers. Et ils sont si craquants. Ah, mais leur calendrier, ils sont dans ma cadre. Bon, où on en était? Bah tu manges pas ta soupe alphabet? Tout me rappelle Guylaine. Même les lettres dans la soupe forment son prénom. Moi, elles forment le mot Penny. Et donc, tu me disais que Fantomas n'est pas Fantomas ou quelque chose comme ça? Le même Fantomas. De retour. 40 ans après. Il aurait quel âge? Bah, je sais pas. L'âge de ton père? J'y arrête de me parler de mon père. D'accord, il a poursuivi Fantomas en son temps, c'est tout. Ah, mais je savais pas, j'étais pas au courant. C'est incroyable. Tu plaisantes, là? Ben... Je crois que je vais y aller. Bah, tu finis pas ta soupe à Fabien? Elle me donne la migraine. Je sais pas comment tu fais pour avaler ça. Quand cette histoire sera finie, je t'inviterai chez moi. Je te ferai un bon coup de poulet. Oh, tu sais, moi, la cuisine colombienne... Moi, je te dis à demain. Je passe prendre à 8h pour l'ouverture du parc. Et je te préviens, on n'achète rien. Je pense que c'est l'endroit idéal pour que Fantomas puisse tester son dispositif d'antidéta.
équipe assurvir tous les visiteurs de ce parc en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est pas du tout à ça que je pensais. Hein. Tu pensais à quoi alors? Regarde, le ciel menace de pleuvoir, des enfants crient. Si on trouve des arbres en forme de mur, bingo, on a notre bonhomme. Gigi, c'est juste un rêve. Oui, un rêve où tu étais impuissant, le micro. Je me demande si on ne s'est pas monté la tête un peu vite. Pourquoi tu dis ça? Retrouver Fantomas dans cette foule. Ouais. Faut en chercher une aiguille dans une botte de beurre. Bon, réfléchissons. Fantomas porte un masque bleu. Peut-être qu'il a changé de masque, parce que là, ça peut être n'importe qui. Alors lui, même lui. Où est là-bas avec ses grandes oreilles? Gigi, c'est Mickey. Et oui, justement. Quoi de plus intelligent que se déguiser en Mickey dans un Disneyland Paris? Fantomas n'est pas venu là pour signer des autographes aux enfants. Ah oui, tu as raison. Bon, je vais aller par là et moi je vais aller à Space Mountain. Non, c'est par là sinon on risque de se perdre. Oui, bah si on reste là, on risque de s'emmerder. Bon, il faut avoir un peu de méthode. Si tu étais Fantomas, où est-ce que tu te sentirais plus à l'aise dans ce parc? À la maison hantée, viens, suis-moi. Gigi, ouvre l'œil! Mais je l'ouvre, mais il est attiré par les vitrines des magasins. Tout ici est fait pour être acheté. Et moi, je suis une victime du marketing, je suis faible. Oh, regarde là-bas! Quoi, où ça? La maison hantée! Gigi, ne va pas pour toutes, on n'est pas venu là pour faire des manèges. Bon, dans ce cas, tu vas t'asseoir ici, tu m'attends sur ce banc et tu te tais. It's the apathy that's built up like a bulletproof vest. I spent the first day squirming in the backseat, cause my head was filled with fantasies of sexual activity. Slipped her up pill as I unzip my deceit, but don't blame it on society, the EMBTYND. Je crois que je les ai retrouvés. Ils sont dans Aventureland. Viens m'aider, je suis en train de les suivre. Désolé, Dorfan, j'entends la parade. Là, celle-là. Qu'est-ce que vous faites là, madame Belle-Femme? Vous êtes là, vous, en train de vous balader tranquillement dans le parc pendant que mon amant batifole avec sa maîtresse. Vous les avez retrouvés? Non.
Vous leur avez demandé des explications? Ben non. Je ne peux vraiment pas compter sur vous, Jennifer. Les filles vous ont lâché. Ils ont gardé André comme à s'arranger. Ils se sont vite rendu compte que je n'étais qu'une victime. Si vous saviez, Jennifer, comme cette garde à vue a été humiliante pour moi. Un vrai calvaire. Bon, calmez-vous, madame Belfort. Allons marcher un peu, vous me raconterez vos soucis. Je suis psychologue à mes heures. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va, mais il ne faut pas laisser s'enfuir. Par où est-il allé? Par là, suis-moi. Je crois qu'on l'a perdu. On n'a pas tout perdu. Ne me dis pas que c'est l'émetteur. On n'a pas besoin, ce que ça pourrait être d'autre. Décidément, tu es plein de ressources. Tu crois qu'il en a un autre? Un perdu, il faut ne pas prendre de risques. Il vaut mieux le retrouver et l'arrêter. Viens, allons rejoindre Gigi. On sera pas trop de trois. Il y a beaucoup de choses que je veux te demander. Par où commencer? Demande-moi ce que tu veux, j'essaierai d'y répondre. Au sujet de ton frère Étienne, j'ai entendu des rumeurs graves à ce sujet. Et... tu crois que j'ai tué mon frère? Il y a des éléments troublants. Ce rendez-vous que tu avais avec ton frère ce soir-là, tu ne m'en avais pas parlé. Oui, j'avais rendez-vous avec mon frère. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. C'était bien un rendez-vous pour le tuer. Mais pourquoi? Ses placements financiers ont ruiné mes parents. Ils leur demandaient toujours plus d'argent pour se refaire. Mais ils perdaient tout le temps. Ils ont même vendu leur voiture et acheté une vieille poubelle pour lui donner des liquidités. Mais un soir de rage, la voiture les a conduits dans le fossé. Ma mère est morte sur le coup. Mon père a fini ses jours à l'hôpital parce que mon frère ne voulait pas payer et trouver l'argent pour payer cette opération pour un grand chirurgien. Je suis désolé. Hein. Alors oui, je voulais tuer mon frère. Je me suis même procuré une arme. Mais quand je suis arrivée, rien ne s'est passé comme prévu. Fantomas était arrivé avant moi. Alors non seulement j'ai appris que mon frère avait fait des affaires avec ce truand, mais en plus, il a liquidé mon frère sous mes yeux, me volant ma vengeance. Alors c'est pour ça que... Eh bien oui, je voulais retrouver Fantomas pour me venger. Et pas me venger de mon frère, me venger de mes parents. Parce qu'il avait... il m'avait volé ma vengeance. Comme disait je sais plus qui dans... je sais plus quel film, sache, avant toute idée de vengeance, qu'il te faudra creuser deux tombes. Que tu veux tuer Fantomas, admettons, moi, je ne veux pas te perdre. Et tu veux encore de moi avec les mensonges et les horreurs que je viens de te dire? Oh, tu sais, pour arriver jusqu'ici,
On n'a pas fait que des choses très honnêtes. Qu'est-ce que... Oui, alors tu comprends, moi j'ai dit Winnie et Minnie, c'est pas pareil. Parce que Minnie c'est le M et Winnie c'est le M à l'envers. Alors moi je vais pas prendre de photo avec. Ah, mais vous êtes là? Bonjour Harlem. Bonjour Cici. Mais non, moi c'est Gigi. Regardez. C'est pas vrai, mon Dieu. Ah bah bravo, et t'avais dit qu'on achetait rien. J, c'est le masque de Fantomas. Oui, bah j'ai vu, je suis pas sourde. Tu es dans quelle boutique? Maintenant tout est perdu. Il peut utiliser un de ses systèmes à rendre Theta d'une seconde à l'autre. Sans son masque, on ne le retrouvera jamais. Bah moi, j'ai trouvé sa moitié. Je vous présente Lydie Belfam, la fiancée de Fantomas. L'ex-fiancée, je précise, bonjour. Et pour votre petit gadget, ne vous en faites pas, c'est un exemplaire unique. Et puis, j'ai plein de petits protecteurs. Il faut se protéger de nos jours. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois. On n'a qu'à donner tout ça aux autorités, ils auront peut-être plus de chance que nous. Peut-être. Allez, viens Gigi. On rentre. Non, attendez. On reste pas pour la parade? Gigi, on n'est pas venu pour ça. Ce serait quand même dommage d'être là et de ne pas en profiter. Allez, Dorfan, on a bien 5 minutes. Si Ben, je commence à vous estimer. Alors appelez-moi donc Glenn. Je tâcherai de m'en souvenir. Et si on faisait une photo de nous quatre? On a dit qu'on achetait rien. Vous préférez qu'on la vole?
behind.